Sous la direction du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Katebingoy Michel, la commission spéciale chargée de repenser le protocole d'accord entre la mairie de Lubumbashi et l'ASBL Rivière des Anges a présenté son rapport dans lequel la rencontre avec le maire de Lubumbashi et le responsable du cimetière, si haut cité, suivi de la descente sur le terrain, tous ces détails ont été fournis. Des recommandations minutieuses ont été adressées notamment à l'exécutif provincial, à l'Assemblée provinciale, à la mairie de Lubumbashi, à la société civile, ainsi qu'aux responsables de l'ASBL Rivière des Anges. Les recommandations à l'ASBL Rivière des Anges de respecter les engagements pris dans la nouvelle convention du partenariat public-privé signée en date du 12 novembre 2022, de pérenniser le respect et la confiance mutuelle entre partenaires, de s'exercer à transmettre tout dossier administratif et judiciaire à la gestion de la nécropole Rivière des Anges à la mairie, d'associer son partenaire pour toute initiative susceptible d'impacter les partenaires, de considérer et de se référer au rapport de la commission permanente aménagement du territoire sur la spoliation du cimetière Rivière des Anges du 8 mai 2023, de considérer et de se référer au rapport de la médiation de la commission d'appui et d'accompagnement des ETD du cadre de conservation de la société civile du Haut-Katanga dans l'affaire proposant la mairie de Lubumbashi à l'ASBL dans la gestion du cimetière Fassanguine de mai 2021 au 27 avril 2023. Puis s'en suivra la communication du numéro 1 de l'organe délibérant sur le déploiement incessamment des députés provinciaux dans les 6 territoires pour y effectuer les suivis du programme de développement de 145 territoires.